OK, donc pour la moyenne pondérée, on va commencer avec un exemple avant d'aller regarder la formule. Donc, si on regarde à l'écran, juste à bien savoir que le tableau de droite, ça représente la fréquence. Donc, ce qui est à. Si je vais écrire en rouge ce qui est pas. Ce que anciennement on aurait possiblement écrit, donc en 11e année, mais maintenant qu'on est en 12e, on n'écrit pas. Donc, on n'écrit pas ce que j'écris en rouge, mais la moyenne, OK? Puis, en fait, encore une fois, je pourrais écrire la moyenne est égale à. Donc, si je voulais écrire une formule, je dirais la somme des niveaux divisée par le nombre total d'élèves. Ce qui est en rouge, on va le changer par une formule plutôt mathématique après, mais c'est juste pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Donc, si ici dans le tableau, je peux voir, il y a trois élèves qui ont eu un niveau 1. OK? Donc, il y a eu combien de niveau 1? 3. Donc, je vais faire 3 fois 1. Il y a 5 élèves qui ont eu un niveau 2. OK? Donc, on va faire 5 fois 2 et ainsi de suite. OK? C'est quoi le nombre total d'élèves? Alors, si j'additionne mon total d'élèves, ça va être tout ça divisé par 25. Puis, si on faisait le calcul, encore une fois, ce qui est écrit en rouge ici, je vais l'enlever puis pour mettre une formule plus mathématique. Mais l'idée, c'est de partir du concept parce que c'est un concept simple. C'est plus la formule qui est épeurante. OK, donc ici, ça va nous donner. OK, donc on a 2,72 comme niveau. Donc, on va enlever ce qui est en rouge, puis on va plutôt écrire l'autre formule. Donc, je définis N comme étant le niveau du projet. N avec la barre horizontale par-dessus, ça veut dire la moyenne des niveaux du projet. OK? Ou les niveaux moyens, en autre mot. Puis, souvent, c'est utile si on communique, oui, en écrivant une formule avant. Souvent, c'est plus facile de faire le travail, puis ensuite d'aller écrire la formule. Fait que si on regarde qu'est-ce qu'on a fait au numérateur, bien, ce que j'ai fait une somme. Puis à chaque fois que j'avais une somme, qu'est-ce que je faisais? J'allais prendre la valeur du niveau. Donc, j'allais chercher le niveau. Ici, je suis allée chercher N1, le niveau de ma première donnée, de ma première rangée, fois la fréquence 1. OK? J'avais une fréquence de 3. Fait que j'ai fait. Ben, en fait, je les ai inversés, là, mais en fait, c'est 1 fois 3. Ensuite, j'ai fait 2 fois 5 et ainsi de suite. OK? Donc ici, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris le deuxième niveau, donc N2, qui était 2, fois la fréquence 2 et ainsi de suite. Alors, si je veux écrire ça sur une ligne, ce qu'on dirait, c'est qu'on a la somme de Ni fois Fi. Commençant à i est égal à 1 et allant jusqu'à 4. OK? Donc, c'est ça. Ce que j'ai écrit en haut, c'est ce qu'il y a au numérateur ici. Et je vous dis, la formule est beaucoup plus importante que le travail. Ce que j'ai fait au dénominateur, c'est que j'ai fait la somme des fréquences. OK? Donc, ce serait la somme. J'ai besoin de me faire un peu plus de place. Ce que ça veut dire ici au dénominateur, c'est que je prends la somme des fréquences à partir de 1 jusqu'à 4. Je les ai toutes additionnées. Donc, la formule, elle est vraiment épeurante. N'ayez pas peur. C'est vraiment, le concept est simple. C'est pour ça que je recommande de commencer par le calcul, puis ensuite aller réfléchir à comment vous pouvez écrire votre formule. Donc, voici comment on ferait pour calculer une moyenne pondéré. Donc, ça, c'est quand on a des différentes fréquences, donc un nombre différent de personnes. Donc, la moyenne pondérée, on va l'utiliser quand on a un tableau de fréquences ou aussi quand on a des différents poids. Donc, par exemple, sur un test, des fois, si tu fais la moyenne de tes tests, tu vas peut-être demander à ton enseignant, est-ce que le poids des tests est identique? OK? Sinon, ben, je vais faire une moyenne pondérée qui va être un autre exemple que vous allez faire. Dans ce deuxième exemple, pour la moyenne pondérée, c'est le même concept. Toutefois, au lieu d'avoir une fréquence, c'est plutôt un poids. Donc, il y a 5 évaluations. Chaque évaluation a un différent poids en pourcentage selon le graphique circulaire à droite. Si les résultats qui ont été obtenus des élèves sont selon ce qui est là, quelle serait sa note finale dans ce cours? C'est la question. Appuie sur pause et essaye là, je vous prépare la solution après. Donc, dans l'exemple, on peut donner N. Tu peux l'appeler ce que tu veux, mais en fait, j'ai nommé la note pour chaque type d'évaluation. Ici, je l'ai appelée N. OK?
Donc, N représente la note pour chaque type d'évaluation I. Pour le I, juste, souvenez-vous que I, ça veut juste dire comme le IM, item. OK? Puis, donc, quand I est égal à 1, c'est la note de 87 qui était la note du projet d'envergure. Quand I est égal à 2, c'est la note du dossier de programmation et ainsi de suite. OK? Donc, j'ai juste écrit en mauve pour vous faire un rappel de c'est quoi ce I-là. Parce que je vais écrire la formule comme on a fait pour l'autre exemple de moyenne, on va l'écrire après parce que c'est plus facile de juste partir du concept. Donc, si on regarde le tableau ici, on sait que 87 a un poids de 0,15. Donc, je vais faire 87 fois 0,15. Donc, le 0,15, c'est le 15% mais en décimal. OK? Donc, on fait la somme de ça et divisé par... Bon, pourquoi j'ai mis divisé par 1 ici? C'est parce que, en fait, ici, c'était pas nécessaire parce que c'est 1. Donc, si je n'avais pas divisé par 1, j'aurais la même réponse. Mais c'est parce que mes poids s'additionnent à 100%. OK? Donc, quand je fais la somme de ces valeurs ici, ça me donne 1. OK? Donc, c'est pour ça que c'est de là qu'il vient ce 1-là. C'est la somme de ces valeurs ici. Ça, c'est notre 1 qui est là. Si je ne l'avais pas écrit, évidemment, ça serait la même chose. Mais juste à garder en tête que ça dépend des situations. Puis, ce n'est pas toujours qu'on va avoir une somme qui résulte en 1. Mais puisque c'est une note finale sur le date du cours, c'est sûr qu'il faut que ça nous donne 100%. Donc, en faisant ce calcul-là, tu devrais avoir une valeur de... Donc, la réponse est 67,3. Ça, c'est la note moyenne de l'élève. Donc, on voit que les tests avaient un poids de 40%. Donc, ça affecte beaucoup la note. Donc, avant d'écrire ça, si je voulais écrire la formule, puis encore une fois, la raison que je le fais après, c'est parce que c'est plus facile de le faire figurer logiquement. OK, ça fait du sens, là, ce que je regarde, que d'aller écrire la formule. Mais si je l'écris avec la formule, ça ressemblerait à ceci. Donc, en regardant la formule sur la première ligne, on peut voir que c'est la somme du produit des notes fois leur poids. Donc, F, ça représente le poids à partir de la première note jusqu'à la cinquième note, et ainsi de suite. Donc, si c'est écrit sur la première ligne, ça représente ce qu'on a fait en dessous. Donc, la réponse, c'est 67,3. On va voir comment le faire avec Google Sheets. Voici comment tu peux faire une moyenne pondérée avec Google Sheets. Donc, encore une fois, quand tu veux faire une formule avec Sheets, même chose avec Excel, tu cliques sur la cellule où tu veux avoir ton résultat et tu commences toujours par égal. Le signe égal est important. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que le projet valait 15%. Donc, je vais faire 0,15 fois. Pour le fois sur... Ah, c'est correct. Pour le fois sur Google Sheets, c'est la petite étoile. OK, donc je fais 0,15 fois... Là, je peux aller cliquer sur la note de Charlotte. Je ne vais pas taper 87, je vais cliquer ici. Ça veut dire fois ce que tu as dans la cellule B2. Comme ça, si jamais la note de Charlotte change, automatiquement, ça va faire une mise à jour sur sa note. OK? Fait que si jamais Charlotte, elle vient me voir, elle dit « Madame, t'as oublié de me calculer ça, alors je devrais avoir un 90. » Vous allez voir que ça va automatiquement changer. Fait que je fais ça, plus, après ça, je vais faire 0,1 fois, je clique là-dessus. Vous pouvez essayer de le faire de façon parallèle si vous voulez aller jouer dans Google Sheets pour tester, mais vraiment, c'est juste ça. Okay, donc, ainsi de suite. Puis, on peut voir, on fait le produit de la pondée, le poids fois la note. On fait toute leur somme et ensuite, on divise par le total. Dans ce cas-ci, c'était juste 1, donc c'est pas la fin du monde si je n'avais pas fait, mais voici comment on ferait. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que maintenant, c'est une formule. Fait que si jamais Charlotte, comme j'ai dit, elle vient dire « Madame, c'est pas vrai, j'avais 90 », si je change sa note, ça va automatiquement aller changer sa moyenne. OK? Si Michi vient me dire « Madame, j'ai pas échoué mes tests, de quoi tu parles, c'était 90%. » Oups, Michi, il n'y a rien qui se passait ici. OK? J'ai pas besoin, écoutez bien parce que ça, c'est le fun. J'ai pas besoin d'aller faire la même chose pour Michi. OK? Ça m'a pris du temps à faire cette ligne-là, mais si j'avais 200 élèves, J'ai fini de calculer les moyennes parce que ce que je peux faire, si je clique là-dessus, cette formule-là, regardez bien ce qui est écrit. Ça me dit, si je clique dessus, ça dit 0,15 fois B2. OK, c'est quoi B2? B2, c'est ici, c'est cette cellule-là. Si je clique sur le 67,5 et j'apporte mon curseur au bas à droite, vous voyez que là, c'est une flèche blanche. Là, c'est une croix noire. Quand c'est une croix noire, clique. Je traîne ça et voilà. OK? Donc là, j'ai la moyenne de Michi et de Abdilaï. Ce que je fais, je clique là-dessus. Regardez maintenant, parce que Sheets, il est intelligent. Il va savoir que, ben, c'est pas vrai, c'est le programmeur de Sheets qui est intelligent, ou les programmeurs.
mais ils vont me dire que, OK, c'est évident que cette personne-là voulait la même chose en dessous. Donc, au lieu de faire 0,15 fois B2, on sait que c'est 0,15 fois B3. Fait que ça fait juste traîner la formule pour la rangée appropriée. Okay? Puis, si je voulais savoir ma moyenne de classe, qu'est-ce que je ferais? Je vais écrire, comme on a fait tantôt, average. Puis, à l'intérieur ici, je veux la moyenne de ça. Et voilà la moyenne de la classe. Okay? Donc, ça, c'est un exemple d'une moyenne pondérée. Voici comment tu peux la vérifier. Là, ça, c'est parce que j'avais, si tu avais juste une valeur d'une moyenne, donc si j'avais juste une chose à calculer, par exemple, juste celui de Charlotte, je ferais ça, mais je voulais vous montrer aussi qu'une fois que j'ai fait une rangée, cette rangée-là peut se reproduire très facilement avec Google Sheets.